le roi des rois. Jésus aime le monde. Jésus est le sauveur du monde. Jésus veut sauver vos âmes. Jésus veut vous délivrer du péché. Jésus est mort pour nos péchés, repentez-vous. Jésus est le roi. Jésus est tout. Besoin de Jésus. Donne à Jésus ton cœur. Il veut te libérer de la drogue, du péché. Sortez du péché, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus est la lumière du monde. Jésus veut sauver ton âme de tous tes mensonges que tu as commis. Le monde vit la fin, mes amis. Les sœurs, madame, il peut te libérer de cette dépendance à la mort. Les hommes ont besoin de Jésus. Les hommes ont besoin de Jésus. Jésus est le sauveur pour ton âme. Il veut te libérer de la cigarette. Ça tue, hein? Et Jésus est la solution. Faut l'invoquer, vous serez sauvés, madame. On nous vend la mort tous les jours. Jésus est le roi. Dieu a créé le monde. On ne vient pas du singe. Dieu a créé le monde. Dieu s'appelle Jésus. Il veut sauver ton âme. Donne ton cœur à Jésus. Il veut sauver ta vie. Jésus veut sauver ton âme. Sortez du péché, mes amis. Sortez de l'inceste, la France. Sortez de l'adultère. Jésus veut te sauver. Sortez du mensonge, la France, les hommes. Jésus veut sauver ton âme. Sortez du péché. Croyez en lui, mesdames et messieurs. Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut sauver ton âme. Repentez-vous de vos péchés. Jésus veut sauver les hommes de la clope, de la cigarette. Sortez du péché et vous aurez la vie. Alléluia, Yeshua est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus veut sauver la France. Mes amis, Dieu vous aime. Et il s'appelle Jésus. Croyez sa parole, l'évangile. Il vous sauvera du péché, mes amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs. Tout le monde va bien? J'aimerais simplement vous parler du Créateur. De celui qui a créé le monde, le ciel, la terre. Et tout ce qui se renferme dans ce monde. Nous sommes arrivés dans un temps, mes amis, où la foi n'est plus dans le cœur de l'homme. Où l'homme a mis son espérance dans la vanité, les choses de la vie. Oubliant que ce qu'il sème, il va le moissonner. Nous sommes des humains qui avons été créés de la poussière. Et nous retournerons à la poussière, mes amis. Que tu sois riche, beau, grand, petit, tu mourras un jour. Et tous les jours des gens meurent. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Oh oui.
Tu peux être beau, tu peux être riche, tu peux avoir tous les diplômes du monde. La mort t'emportera, mes amis. On partira après la mort, que l'on veuille ou pas. Et la mort est entrée dans le monde à cause d'un seul péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi la terre est dans cet état. C'est parce que la terre vit dans la mort. Le monde est mort. Le monde ne connaît pas Dieu. C'est pour cela, mes amis, je vous annonce l'évangile que Jésus est venu il y a 2000 ans pour réparer le péché d'Adam et Ève, afin que quiconque croit en Jésus soit sauvé du péché, sauvé de l'adultère, ce film porno, les avortements, le mensonge. On vit dans un monde de mensonges. L'homme est menteur. L'homme a mis sa foi dans tout ce qui est vanité, tout ce qui est fait, tout ce qui est satanique, diabolique. Et lorsqu'on prêche le Créateur, oh, c'est bizarre. N'avez-vous pas bizarre le monde, mes amis? Alors que le Créateur a créé un homme et une femme. On voit par là que l'homme est possédé. L'homme est possédé, mes amis. Il peut fumer. Tout ce que la Bible dit est en train de s'accomplir devant nos yeux. Et la Bible n'est pas un livre catholique. Attention, non. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est le livre que le Créateur nous a donné afin que nous sachions d'où nous venons, de la poussière. On a été créé à l'image du Créateur, à l'image de Dieu. Mais malheureusement, le premier homme, Adam et Ève, ils ont péché. Et lorsque Adam et Ève ont péché, Lucifer a pris le contrôle de l'humanité. Il a pris ta vie en otage. Voilà pourquoi tu fumes, tu es possédé. Voilà pourquoi tu dis des gros mots, tu es possédé. Tu mens, tu forniques, tu es possédé. Tu crois que la terre est venue par le Big Bang. Ça, c'est une folie. Ça, c'est la plus grave des folies. Aujourd'hui, les humains vont jusqu'à dire qu'on vient du singe. Moi, j'ai 3 enfants. Un humain donne un humain. Comment un macaque peut donner un humain? Mes amis, il faut qu'on se réveille un peu. Qu'on réalise la gravité des choses. On ne vit pas par hasard sur terre. Quelqu'un nous a donné la vie ce matin. Le souffle de vie. Qu'as-tu fait avec le souffle de vie? Toi, aujourd'hui, tu as fumé la cigarette. On m'a dit clope. Aujourd'hui, tu as maté les fesses des femmes. Pourtant, Jésus dit quoi? De ne pas convoiter. On voit des gens nus aujourd'hui. On voit des gens à poil, excusez-moi l'expression, ressemblant à bois de boulogne. Les humains n'ont plus la pudeur. C'est grave. Et c'est ça le signe du péché. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés nus. Vrai ou faux? Parce qu'avant, ils étaient habillés. Habillés de quoi? La gloire du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, l'homme est devenu esclave du péché, esclave du diable. C'est pour cela que le Créateur a donné un seul message aux hommes. Son amour, sa grâce, la grâce. Et la grâce du Créateur, c'est Jésus, mes amis. Il est venu mourir sur la croix comme un agneau. Pour faire quoi, à votre avis? Nous pardonner de nos péchés, afin que tes péchés soient ôtés et que tu ne recommences plus à fumer. Moi, ça fait 10 ans, j'ai arrêté le sexe en mariage. J'ai arrêté les gros mots, le racisme, les films pornographiques, mater les fesses des femmes, mentir, taper la police, en fait, les pensées impures, tout ça. Jésus m'a affranchi. Voilà pourquoi Jésus, tu dois l'inviter dans ton cœur. Parce qu'en rentrant dans ta vie, il va te ramener à son image. Tu ne pourras plus tromper ta femme. Tu ne pourras plus être esclave de Rihanna, cette déesse du diable qui est à poil. Et toi, tu es à poil aussi. C'est normal? Vous prenez des modèles qui suivent le diable. Et ils ont une mission, ces stars. Je vous dis la vérité. Comme moi, ce soir, j'ai une mission. C'est quoi? Eh bien, que tu entends la parole. Que ce soir, à la maison, tu réfléchisses sur ton état de péché, de fornicateur. Voilà ma génération. Le monde est aveugle. Une génération. La technologie. Pensant que Dieu n'est pas plus grand que la technologie. Le créateur du ciel et de la terre, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il vous aime, les Français. Il vous aime, la France. T'inquiète pas. Il veut vous sauver. Parce que ça, c'est une chose. La mort tue tout le monde. Hein. Noir, blanc, petit, beurre, tu vas mourir. Tu peux être riche, ton cœur va s'arrêter. Et c'est souvent dans ces malheurs que vous criez, oh mon Dieu. Eh oui, il existe. Pourtant, tu es athée.
T'as pas crié au athéisme. Non. T'as crié au mon Dieu. Ben oui, les humains, il nous a créés. Tu penses que tu as été créé pour les travailler et gagner ta misérable retraite après et mourir après 2 ans après? C'est ça votre vie, mes humains? Les humains? C'est ça votre espérance? Mettre au boulot dedans? Plus que le Créateur? Ce soir, je t'annonce mieux que le travail. La vie éternelle que Jésus veut donner aux hommes. Ben oui. Après la mort, mes amis, il y a 2 endroits éternels. Le feu, qu'on appelle Hadès ou Enfer. Et le paradis, qu'on appelle le royaume des cieux. Et c'est le but du message ce soir. C'est que tu n'ailles pas en enfer parce que je t'aime. Parce que Jésus vous aime, mes amis. Et Jésus n'est pas catholique. Jésus n'a pas dit aux hommes de fêter Noël. Noël, non à Dieu, non au Créateur. Eh oui, les humains, vous montez à vos enfants. Le Papa Noël est passé par la cheminée. T'habites à F2, F3, F4. Où t'as ta cheminée, toi? Vous voyez pas que c'est les... Il peut violer, elle peut tuer, il peut mentir, il peut tromper sa femme, il peut divorcer. Voilà l'état du monde, mes amis. Le péché et le moyen que Jésus a trouvé pour nous sauver, c'est sa mort sur la croix. Il vous appelle à quitter les boîtes de nuit, à quitter l'inceste. Car si vous mourrez de vos péchés, vous irez en enfer pour l'éternité, mes amis. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et tout le monde n'ira pas au ciel. On n'ira pas tous au paradis. Mes amis, si tu sèmes le péché, tu récolteras le jugement. C'est pour cela que la Bible parle de la grâce de Jésus. Repentez-vous du péché. La terre va mal à cause de vos péchés. L'adultère, même les chiens, mâles et femelles. Les chiens. Même les chiens, mâles et femelles. Donc comprenez dans quel état vous êtes. Comprenez votre état. Elle est misérable. Voilà pourquoi Jésus veut vous ouvrir les yeux, mes amis. On me regarde avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, c'est vrai. Eh bien, oui. Tu as besoin de la lumière, la vérité, qui est Jésus. Jésus est le roi des rois, c'est Jésus. Il veut sauver les pécheurs. Jésus est la vie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On sort du boulot. Métro, boulot, dodo. Et je vais prendre la parole pour t'annoncer la vérité. La vérité qu'on ne vient pas du singe. J'ai 3 enfants, moi. La vérité qu'un homme donne un homme, un humain. La vérité que la terre a été créée par Dieu. L'univers, les eaux salées, les océans, les fleuves, le sperme, l'ovule, le cœur, les yeux, hey, la vessie. Il est trop fort. Comment les humains qui ont Master 40 n'ont pas compris cela? Que si la terre tourne sur elle-même, et que les trains roulent sur les rails, c'est que quelqu'un a créé le train, non? Et quelqu'un aussi a créé la nature. Et la Bible parle de ce Créateur qui nous aime. Il a tout créé par amour pour les hommes. Mais les hommes ont préféré la désobéissance. En l'occurrence, le premier couple, Adam et Ève, qui ont péché. Et lorsque Adam et Ève ont péché, voici notre état aujourd'hui. Cigarette, tu peux fumer, tu peux te tuer. Les hommes trompent leur mari, leur femme. Les femmes trompent leur mari, les femmes avortent, les gens sont alcooliques, les gens aiment le sexe plus que tout. Voilà pourquoi il y a le sida. La terre est en train de vivre les derniers jours. Parce que la Bible parle du jugement du Seigneur. La Bible est le livre qui peut te rendre fidèle à ta femme. Toi qui es adultère. Oh oui, Jésus s'appelle. Et le livre de Dieu, c'est la Bible. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas venu chercher des religieux. Mais Jésus est venu appeler à la repentance les pécheurs, les impies, les violeurs. Regardez l'état du monde. On vit dans un monde de mensonges. Les hommes croient au Père Noël. Les humains mentent à leurs enfants. Oh, que le Père Noël est passé par la cheminée.
Ça, c'est le mensonge. La Bible ne parle pas de Noël. Ce soir, je t'annonce que la sodomie est un péché. Le viol est un péché. Mentir est un péché. Et la Bible parle de l'enfer et du ciel, le paradis. Et j'aimerais te dire que Jésus veut sauver ton âme. Mes amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'aimerais te parler non de l'argent, non de la politique, non de stars, non de la retraite. J'aimerais te dire que nous vivons la fin des temps. J'aimerais te dire que nous sommes des humains qui allons mourir un jour. Que tu sois beau, belle, grand, petit, riche, masterisé, diplômé, ton cœur va s'arrêter aussi. Hein, oui? Et tu retourneras d'où tu as été pris? La poussière. En vérité, on est poussière, mes amis. On est tellement orgueilleux. Oh, je suis belle. Oh, je suis mignon. Oh, j'aime pas les blancs. Oh, j'aime pas les arabes. T'es qui pour être raciste? C'est pour cela, mes amis, dans ce wagon, j'aimerais te dire la vérité. Que si tu meurs dans tes péchés, tu vas pas au paradis. Hein? Tu montes pas au ciel. On n'ira pas tous au paradis. Mes amis, le message que je t'annonce ce soir n'est pas pour te caresser. Je te dirai toute la vérité. Jésus est venu il y a 2000 ans pour éclairer l'humanité, pour éclairer l'homme. Et Jésus m'a éclairé. J'étais adultère avant. Je regardais les fesses des femmes. Pourtant, j'ai rédigé la femme. C'est pour cela ce soir, je vous annonce que le péché vous condamne. Tromper sa femme est un péché. Mater les fesses des femmes, c'est un péché. Eh oui, tu ne convoiteras pas, dit Jésus. Voilà pourquoi beaucoup mourront ici, peut-être iront en enfer. Malheureusement, pourquoi? Vous l'avez décidé vous-même. C'est pas Dieu qui décide, c'est vous qui décidez. Voilà pourquoi je vous annonce la grâce que Jésus. Il a porté nos péchés sur la croix et t'appelle à te repentir. Car si tu meurs ce soir dans tes péchés, ton âme va en enfer et tu vas brûler là-bas. Mon ami, là-bas, ce n'est pas la canicule. Hein? Ah non, c'est le feu éternel. C'est pour cela que la Bible, mes amis, est proclamée dans ce wagon. Parce que Dieu vous aime. Ben oui, je t'aime. Jésus vous aime. Mais n'aime pas tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Masturbation. Gros mot à ta femme. Bagarre conjugale. Avortement. Film porno. Allez-y. Voilà ma génération. C'est pour cela, mes amis. Moi qui suis Guadeloupéen, avant j'aimais Zouké. Avant je tapais la police. Avant je fumais le shit. Avant je mentais. Mais lorsque Jésus a touché mon cœur, je me suis marié à ma femme. Et j'arrêtais les films porno. J'arrêtais Zouké les femmes d'autrui. J'arrêtais de taper ma femme, taper la police, le shit, la drogue. C'est ça que Jésus produit dans les cœurs des hommes. Rigolez, hein? Bon, on peut se moquer de moi, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Mais après la mort, où ira ton âme? Où iras-tu si tu meurs ce soir, mesdames et messieurs? Où iras-tu? Tu forniques, tu n'es pas marié, tu couches en mariage. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit Dieu? Que la fornication est un péché. Avant, j'étais comme vous, j'étais dedans. Fornicateur, oh là là. Menteur, raciste. J'étais dans le péché. Je mentais. La cesse, mes amis. Mais quand Jésus a touché ma vie, il m'a donné l'amour pour les blancs, l'amour pour les arabes, l'amour pour mon prochain. Mes amis, lorsqu'on vit ces temps qu'on vit, écoutez la parole du Seigneur, écoutez. Parce qu'après Corona, ça arrive les douleurs, ça arrive. Voilà pourquoi, mes amis, la Bible dit que même si la terre tremble, même s'il y a des chaos terribles, les pécheurs qui sont nés pour l'enfer vont se moquer de la parole. Moquez-vous, t'es libre. Mais je t'annonce ce soir la vérité. Le sexe en mariage vous condamne. Le viol, les avortements est un meurtre. Mais la Bible dit que Jésus est la solution pour nos cœurs. Il vous aime, les drogués, les alcooliques, les fumeurs. Oh, mes amis, beaucoup iront en enfer. Mais la Bible dit que Jésus donne le salut.
En tout cas, bonne soirée. Sortez de verra, mais le péché vous condamnera. En tout cas, bonne soirée. Hein. J'ajoutais personne, moi. Bon courage. Oh là là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. J'ai un message qui est important ce soir pour chaque humain dans ce wagon. Tu peux être malade d'une maladie grave. Je te dis la vérité, ce message te concerne. Il nous concerne tous. Et vu le temps actuel que nous vivons actuellement dans le monde, qui est quasiment la dictature mondiale, écoute ce que j'ai à dire.